Salut à tous, nouveau haul Action, j'y suis allée pour, on va dire, un petit peu peaufiner mes premiers achats décoratifs pour Noël, parce que j'avais pas envie de passer à côté de petites choses qui seraient susceptibles de me plaire. J'ai déjà fait quelques achats chez Jiffy, j'ai trouvé des petites merveilles. Alors j'ai pas fait que des achats décoratifs pour Noël, hein, y a d'autres petites choses, on va regarder ça ensemble. Je commence dans la partie papeterie, loisirs créatifs, il y a toujours des trucs super sympas. C'est du format A3, il s'agit en fait d'un carnet, mais un carnet XXL pour faire des croquis, pour dessiner. Moi j'adore ça. Je prends plus le temps de le faire, mais j'aime beaucoup et je trouve que c'est typiquement le genre de support qui est très joli déjà et qui va rester. En plus elles sont, comme on dit, prédécoupées, donc on peut également les enlever si on veut, par exemple, je sais pas moi, encadrer notre dessin ou le donner tout simplement. Et c'est donc un grand cahier à spirale. Toujours dans la partie papeterie, j'adore ça moi, vraiment tout ce qui est carnet, cahier. Là, on est sur un notebook, mais pas n'importe lequel, un notebook luxueux. Il est très joli, donc tout simple, hein, ce sont des lignes. On a bien évidemment le petit élastique pour le sortir et puis la présentation est plutôt jolie. Make note, on a du noir, on a du gold, il est ravissant. Ce planeur me faisait de l'œil déjà depuis un petit moment, j'en ai déjà un, mais voilà, il est trop beau. It's good day to have a good day, desk planner, donc c'est un planning de bureau. On vient le poser comme ça et on a tous les jours de la semaine, c'est en anglais, c'est pas bien gênant. Et on a suffisamment de place pour écrire tout ce qu'on a envie, nos petits rendez-vous, ce genre de choses. C'est un très joli dégradé de pastel. Ce chien qui va être, enfin c'est pas qui va être, c'est un cale-porte. Moi j'ai plein de portes qui s'ouvrent mais qui se referment. C'est une vieille maison, j'ai déjà acheté un cale-porte il n'y a pas longtemps chez Jiffy. C'était un petit chien mignon. Et celui-ci, ce nounours en velours, il est trop beau, donc ça va être pour caler, je crois, d'ailleurs, la pièce où je suis, la porte qui, pareil, arrête pas de sourire, se fermer. Il fait 20 par 28 cm. Il est trop mignon. Et à l'intérieur, on a justement quelque chose de lourd pour venir lester et pour que ça tienne la porte. Rien à voir avec le reste, mais moi, je suis une adepte des barrettes, j'en mets tout le temps avec mes petits cheveux, voilà. Celle-ci, c'est typiquement le genre de barrettes que je mets. Je mets également les mêmes, mais en format plus petit. C'est des accessoires très pratiques, qui sont pas super chers. Voilà. Des piles, ce sont des double A, il y en a 8 à l'intérieur. Et vu que j'ai acheté des guirlandes de Noël, ce genre de choses, on a toujours besoin. Enfin, en tout cas, ça nécessite de mettre ce genre de piles. Voilà, donc j'ai pris ça, ça va être pratique. Et je trouve que ça s'use assez vite quand même, les piles. Et donc, j'enchaîne avec mes petites LED. Mais pas n'importe lesquelles, moi, c'est mes LED préférées. Parce que ça fait un filament très léger, on le voit à peine et on voit juste les petites LED s'éclairer, ça donne un effet le soir. Oh, ce sont vraiment mes préférés parce que des fois il y en a des fils noirs, blancs, c'est pas beau. Et je ne mets pas de guirlande dans mon sapin, je trouve pas ça joli, c'est grossier. Ça c'est très très joli. On dit que c'est un blanc chaud, donc c'est entre le blanc et le jaune. Je sais pas, je vais découvrir ça. Il faut que je vous montre quelque chose. J'ai craqué pour la boule de Noël la plus kitschoune au monde. Il me la fallait. Elle est trop marrante. Regardez-moi ça. Il s'agit d'un petit chat avec un chapeau tout mignon. Elle est top. Je vais bien évidemment pas la mettre dans mon sapin, tout simplement parce qu'elle n'est pas dans les couleurs. Moi, je fais les couleurs traditionnelles cette année, hein, le vert, le rouge, tout ça. Elle est ultra fun. Il y avait également des chiens, d'autres chats. Des petits kits comme ça, j'en ai pris deux, on en a 18 hein, du coup, rouges, toujours pratiques, hein. Elles sont de petits formats et merde, j'ai vu qu'il y en a une qui est un peu cassée, voilà, j'ai pas fait gaffe. Un petit support en bois tout mimi, it's beginning to look a lot like Christmas. Je l'ai pris en bois, il existait de plein de couleurs, rouge, blanc, vert, très mignon, voilà, j'ai voulu prendre le côté un peu plus nude qui correspondra un petit peu plus à l'harmonie de tout ce que je vais mettre dans mon sapin. J'ai trouvé cette petite boule, tout à fait simple, mais mignonne comme tout, elle est un petit peu dentelée, très jolie. Et ce petit support, il existait avec 4-5 éléments différents, je l'aime beaucoup celle-ci, je trouve ça adorable. Et ça, tu le vois chez Maison du Monde, pour beaucoup beaucoup plus cher, donc c'est très mignon. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que j'ai terminé pour ce haul. J'en ferai régulièrement pour faire des petits raccords, pour rajouter des petites choses. J'espère que ce petit
ou l'action vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Je fais également du vlog, du daily vlog quotidien, comme ça vous verrez l'évolution également si ça vous intéresse de ma déco de Noël et de tout ce qui se passe dans mon quotidien. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Salut !